Bonjour, nous sommes aujourd'hui au collège Jean Mermoz à Laon avec Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne. La transition écologique, l'environnement était l'ambition du mandat pour l'année 2022. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors la transition reste un enjeu, mais un enjeu qui est transversal et qui concerne toutes et tous, à la fois collectivement dans l'exercice de l'institution départementale, mais également personnellement dans la vie du quotidien de chacun. Nous avons donné une ambition supplémentaire à travers une délibération cadre que nous avons prise là encore en début d'année, qui permet de multiplier encore les actions, en tout cas d'être encore plus présent dans cette transition, dans cette recherche de développement durable. Cette délibération cadre nous a permis de définir des axes. Nous avons bien sûr des moyens qui sont dédiés spécifiquement, mais également nous passons finalement au crible de la transition, l'ensemble de nos actions et de l'action du département, mais également une action de sensibilisation, à la fois pour nos partenaires, c'est-à-dire faire en sorte que nos subventions soient également liées à la prise en compte de la transition par les communes et les intercommunalités que nous accompagnons, mais c'est aussi faire de la sensibilisation, comme ici au collège, à travers le soutien que nous pouvons apporter aux équipes dans des projets qu'ils vont mettre en place, et puis également faire en sorte que nos collégiens puissent être aidés eux-mêmes en tant qu'éco-citoyens, puisqu'il y a de nombreux jeunes qui s'investissent sur cette question dans nos collèges et nous allons les y aider.